Cela va à l'encontre de tous les principes de Maldraxxus que Maldraxxus défend. Notre but est de protéger l'Orothère et tous ceux qui s'y trouvent, pas les massacrer et les exploiter. Venez me délivrer un moment, nous allons mettre un terme à cette folie. Ok. Éliminez ces traîtres! Le chien sort. On dirait que quelqu'un voudrait dérober le secret de mon génie. Attends, il a ressuscité? Maintenant, mettons fin à leur petite expérience. Attendez, ne lui faites pas de mal. Nous faisons front ensemble, et c'est ensemble que nous combattons. Que le courage vous guide. Les âmes des Kyrians morts, je perçois leur douleur et leur confusion. Ils continuent d'exister au sein de l'assemblage. Nous ne pouvons pas le détruire, car les âmes qui s'y trouvent, celles de mes frères, seraient à jamais anéanties. Peut-être peuvent-ils nous aider à trouver notre liberté. Je vais apaiser les âmes qui sont à l'intérieur de l'assemblage pendant que vous en prenez le contrôle. Mec, l'euthanasie. Franchement. Faire confiance à mes derniers compagnons Kyrian. Ils nous conduiront en lieu sûr. Quelle puissance! Nous pourrions même tuer leur baron. Et rendre justice à mes frères disparus. Ok.
Ouais. Elle est vachement lent quand même, hein. Osez. On va tenter ça. Ah, les cadavres en cavale ont décidé de revenir. Ça me fera plus d'organes. Ouais, d'accord, ok. Avec la quête, en fait, ils ont revu sa quantité de vie à la baisse, en fait. D'accord, je contrôle plus. Je sens une puissance vibrée dans l'air. Salutations, mortels. Puissions-nous survivre à cette tragédie. Quelque chose à signaler. Les runes sur cette lame, ce sont les mêmes que celles gravées sur la porte du siège du Primat, et l'une d'entre elles vient tout juste de s'illuminer. C'est bien ce que je pense, MDG Normand, vous seriez donc capable d'ouvrir cette porte. Si c'est le cas, Viraz n'aura pas fait tout cela en vain. Cela pourrait renverser le cours de la guerre. Notre force est... Je vais en informer Viraz, et je vous retrouverai au siège du Primat. Je tiens à être témoin de l'histoire que vous écrivez. Ouais. Il suffit d'un bon assassin. La fin. Et bon, on va activer 3 runes de plus. Mais je crois qu'il y en avait 5, hein. Donc il va nous en manquer une. On en avait une au départ, hein. Là, il va y en avoir 3 de plus. Et je crois qu'il y avait 5 runes. Une rune par maison, hein, pour faire simple. Donc il nous manque, on a celle des élus, celle des yeux, celle des assemblages, celle du poison. Et il nous manque une maison.
Les rituels. C'est celle des rituels qu'on n'a pas. Mais je suis sûr que ce sera la baronne qui l'aura, c'est ça, c'est Draka, la dernière. C'est bon de combattre à nouveau côte à côte. Épargnez-moi les politesses. Force et honneur. Il ne reste plus qu'une rune. Nous devrions trouver la maison des élus pour faire. Ah non, donc oui, donc c'est celle des élus qu'on n'a pas. Pour faire votre rapport au Margrave Actresus, il voudra savoir où nous en sommes. Retourner à la maison des élus. La force nous vient de Dieu. Nous allons prévenir Crixus. Défendez cette position jusqu'à notre retour. Ha! À vos ordres, madame. À bientôt. Parti du mauvais côté. Mon marcheur a disparu, mais ma succube est réapparue. C'est une mascotte, hein, la succube que j'ai, c'est pas la succube démon invoquée. Je vous entends pas, soldat. Et on est proche du niveau 58. Par contre, on a tellement été nerf. C'est assez abusé, hein. J'ai un doute, mais il faut bien que je contourne hein, pour accéder, hein, il me semble. Viraz, que s'est-il passé? Les assemblages ont riposté. Ils étaient trop nombreux. Ils
Ils ont détruit la nécropole. Crixus et... Vous, avec moi, vite! Ouais, il y a eu un sacré carnage, hein. C'est pas vrai. Sans Crixus, nous n'avons aucune chance de gagner. Le siège du Primat est notre seul espoir. Et si jamais cette salle reste vide, c'est de la folie de croire en ce siège. Nous avons été choisis. Nous comptons sur la force brute, rassemblant nos soldats les plus vaillants. Même le baron disparu. N'était-il pas à la merci de l'antre? Cette âme mortelle prétend avoir réussi à s'en échapper. Vérifions ses dires. Ouais, alors, ça n'a pas été une promenade de santé non plus, hein. Je vous écoute, soldat. Ah. Retournez à votre poste. Niveau 58, et j'ai toujours ce bug de script. J'ai l'impression que c'est Actionnaire qui me provoque ce bug. Est-ce qu'avant Actionnaire, j'avais pas ce bug? Ouais, j'ai remis 2-3, vous avez vu, hein, j'ai remis Bagnon notamment, pour qu'il y ait 2-3 interfaces qui soient plus sympas. MDG Normand, notre arrivée a embrassé tout... À embraser, pardon, Tomaldraxxus, si l'honneur n'est pas un vain mot pour vous, vous suivez mes ordres, je pense savoir où trouver nos réponses. Le baron qui a précédé Draka a été envoyé dans l'antre. Je crois savoir que vous avez pénétré dans l'abysse et que vous en êtes revenu. Si le baron a survécu, je sais peut-être ce que nous devons faire ensuite. Il sait peut-être ce que nous devons faire ensuite. Vous êtes venu d'Oribos, retournez-y et voyez si vous pouvez trouver un moyen de pénétrer dans l'antre. Ah. Allez couvrir de gloire les élus. Ah, Red. Red, ce qu'il me demande là. J'ai pas envie d'y retourner maintenant, vous avouerez. Vous voyez que ça me botte pas des masses, parce que c'était un enfer, quand même, l'antre. D'ailleurs, c'était un enfer. C'est vraiment l'enfer, en fait. C'est pas... Pour le coup, c'est même pas une façon de parler. C'est l'enfer. Ouais, j'étais ambitieux là. J'ai faim de combat. C'est... Bon bah retour à Oribos.
Bien. Alliés encore en vie, mais je pense pouvoir vous mener à Darion Mogren. Ce sera un début. Auguste Voix, nous voudrions pénétrer dans l'antre. Un seul chemin mène en ce terrible royaume, celui que doivent emprunter toutes les âmes vouées à la damnation. Mais attention, mortel, vous avez pu échapper à l'antre une fois. Vous pourriez ne pas avoir la même chance. Nous connaissons les risques, mais il faut essayer, il n'y a pas le choix. Nous avons tous un devoir à accomplir. Prenez cette annulette. Chacun des quatre cavaliers en porte une similaire. Elles sont imprégnées d'un pouvoir qui les relie les unes aux autres. Cette connexion devrait vous aider à trouver Darion Mogren. J'imagine que Darion a pu être témoin de choses horribles dans l'antre. Peut-être a-t-il croisé le baron disparu. Espérons qu'il pourra également vous conduire à nos alliés d'Azeroth. Faites attention à vous. Trouvez Darion. Il vous aidera dans vos recherches. C'est ouf. La couronne du roi Lich l'a juste posée là. Et le nouveau roi Lich, hein, évidemment. Parce que Bolvar, là, c'est, je rappelle, hein, c'est lui qui a pris la place donc de Arthas en tant que roi Lich, donc sur le trône sur le trône de glace. Ok. Alors juste avant de... Juste avant... Bah, j'avais pas une boîte aux lettres dans le coin là ? Non. Bah, j'ai bien une boîte aux lettres dans le coin, non? Ouais, là, je l'ai raté. Et puis on faut qu'on jette un œil à l'équipement aussi. Parce qu'on a eu 2-3 trucs. Faut qu'on voit. Je pars trop d'endurance. 21 d'endurance, c'est pas la peine.
Je perds en endurance, je perds en score critique, mais je gagne en maîtrise. Non, je gagne en endurance et en maîtrise, mais je perds en score critique. C'est quoi ça? C'est les poignets. Let's go. Et ça a l'air cool. Ouais, c'est un nouveau bâton. On va falloir que je passe à la transmo par contre, hein. Ok, on va juste passer rapidement à la transmo. Si je dis pas de bêtises, c'est la salle des curiosités, c'est en face de moi. Alors, transmo. Transmo. Vous avez toute mon attention. Voyons un peu. Alors, ça c'est ok. Y avait. C'est quoi ça? La cape. J'en avais une mieux. C'était celle-là que j'avais mise avant, hein. Cela me plaît bien. Ok. Les poignées. Donc ça. Je voudrais. Non, en fait, c'est les gants surtout qui posent problème. Les gants, j'avais ça avant. Sachant que, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu mieux? Ça, c'est discret, j'aime bien. Ça, c'est un peu trop tape à l'œil. Ouais. Ça aussi, c'est sympa, hein. Bon, allez, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus, du coup. En vrai, il vaut mieux rien mettre, je pense. Alors un petit truc discret comme ça. Moi, je mets très bien ça pour le. Ouais, je vais mettre ça. Ok, et bien sûr, le bâton, je veux. Il est où? Une calèche. Pas cette version-là, cette version-là. Après, il y en a plein des belles armes. Hein. J'ai une belle collection, hein, mais voilà, par exemple, celle-là est assez badass. Mais non, on va prendre voilà, c'est l'arme de Légion, hein, bien sûr.
Pareil, hein, les épaulières, je les trouve un peu trop violentes, enfin, un peu trop tape à l'œil. Je voudrais des trucs un peu plus discrets. Celle-là, c'est discret, mais c'est vraiment moche, je trouve. Non, bon, on va rester. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Hop. Appliquer, puis ça me coûte rien. Ok. La mort est la plus puissante des transactions. Ok. Ah d'accord. Bon. Bah c'est parti, hein. Let's go. C'est parti pour le grand saut. Je suis en position. L'amulette de Bolvar vous a donné que Bolvar vous a donné scintille d'une légère lueur rouge avant de s'éteindre. Si vous voulez utiliser pour retrouver Darion Molgren, vous allez devoir trouver un moyen de lui redonner son pouvoir. Vous vous souvenez d'un endroit empreint de magie noire? Un lieu qu'on appelle le chaudron de Zoval. Peut-être pourrez-vous y retrouver la puissance de l'annulette. Y restaurer la puissance de l'annulette. Ok. Ah, alors ça c'est pas cool du tout. Non, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de stuff à vendre. What?
Ah d'accord, donc je peux revenir. Bon, c'est la bonne nouvelle. Alors du coup, je vais faire ça maintenant. Ah, un client potentiel. À une prochaine fois. Bon. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est bon à savoir, je peux ici retourner... Okay. Par contre, on doit tous taper à pied. Ok. Au moins je suis fixé. Est-ce que je me tente l'élite là? Allez, tant que je suis pas en statut fatigué, let's go. Oh merde. Ah oui, il est violent, hein. Il était reine, mais 2000 d'XP, hein. 2000 de pex, c'était pas mal. Bon. Merde. Ouais, non, c'est bon.
outil. Ça me fera une nouvelle arme pour ma collection. Je voulais aider le joueur. Ou la joueuse, parce que c'est le personnage féminin. Parce que je veux. J'en suis où? C'est pas trop mal. Il faut que je réinvoque mon marcheur. Décidément, il se fait déglinguer en boucle, lui, hein. Pas trop si le Gugus là-bas. Cette intrusion va cesser ici. Vos efforts sont futiles. L'amulette décharge une forte chaleur dans votre main. Vous ressentez toute la puissance de la magie qui l'anime. Peut-être. Ça me fera une nouvelle arme pour ma collection. Peut-être que l'enchantement dont vous a parlé Bovard va enfin pouvoir vous aider à retrouver Morgren. D'accord. Est-ce qu'il me donne une indication? Est-ce que... Bon, ok. Ok, d'accord. Ah bah oui. Quoi?
Décidément, hein, le fait que j'ai pas mes montures, ça va me perturber. Hein. Oh, je suis pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je m'en tape. Ok. Et ça, je m'en tape. Non, attendez, attendez, attendez. C'était quoi ça? Attendez, j'ai une... J'ai une activité suspecte sur un compte Google. Sur, bon, c'est pas un compte sur lequel le jeu... va falloir que je regarde ça. Apparemment, on a essayé de... Quel que j'ai, mais apparemment... Il y a une tentative de connexion. Peut-être été un peu trop loin là. J'allais encore cliquer sur mes montures, hein. L'habitude. Darion est inconscient, la cage est déverrouillée et il sera difficile d'enfoncer la serrure. La personne qui détient la clé est peut-être ce marqué dont il a parlé. Trouvez la clé du marqué pour libérer Darion. Eh ben, let's go! On y retourne! Ah, j'aime bien quand le jeu nous fait faire des allers-retours comme ça. À mon avis, c'est celui qu'on a buté juste avant. J'ai aidé la joueuse à buter là. Okay.
Bien sûr, c'est ça. Quand je vous aurai anéanti, ce n'est pas une nouvelle arme pour ma collection. Et du coup, maintenant, je vais devoir me le taper tout seul. Parce que sinon, c'est pas drôle. C'est vraiment un handicap de ne pas pouvoir utiliser ces montures dans l'antre. C'est un réel handicap. Prisonnier de l'antre. Un jour, une éternité. Prudence, les yeux du geôlier sont partout. Je dirais une petite semaine. Jamais vous ne sortirez de l'antre. Je me demandais ce que cherchaient les entreliges. Vous êtes cette âme mortelle qui est venue gâcher la fête du geôlier. Quant à moi, je suis Venari, une humble négociante prisonnière de ce cruel royaume. Mais j'ai une proposition à vous faire. Venez. Et pourquoi nous aider, négociante? Votre présence ici ne fait qu'attirer l'attention, et ce n'est pas bon pour mes affaires, sans vouloir vous offenser. Ok. Venez vous faire affaire ou me faire perdre mon temps. Trouvez-moi quelque chose de précieux. Vous cherchez donc quelqu'un, mortel? Eh bien, figurez-vous qu'il est probable que je sache où cette personne se trouve. Laissez-moi vous faire une proposition. Cette amulette que vous portez, elle renferme un pouvoir intéressant. Si vous me la remettez, je vous aiderai à retrouver le baron Maldraxxi. Puis vous quitterez cet endroit. Je ne veux pas me montrer grossière, mais je préfère rester discrète. Allons et perdons pas de temps. Je connais quelques astuces qui vous permettront de mieux survivre ici. Si vous vous acharnez à attaquer ses serviteurs, le geôlier le remarquera. Il vaut mieux les éviter autant que possible. Oui, mais ça fait de l'XP.
Tous les mystères seront révélés. C'est grisant d'avoir un mortel comme partenaire d'affaires. Et cette annuette m'intrigue au plus haut point. Vous dites, ah oui, le baron que vous recherchez. Il se trouve que j'ai entendu parler d'un baron Maldraxxi retenu dans la cour inférieure du fort de la perdition. Vous devinerez que ce n'est pas le plus accueillant des endroits. J'aimerais autant éviter d'attirer l'attention des gardes du geôlier. Et par chance, je sais exactement comment faire.